Je pense le congrès de Kingston, de l'Association des musées canadiens, est quand même important parce qu'on est plusieurs à y assister du Québec. Et là, on se rend compte de l'ensemble des services, des avantages, des activités qu'une association professionnelle peut offrir. Alors, effectivement, en 76, l'automne 76, de mémoire, je peux me tromper, mais je crois que c'était une semaine après l'élection du Parti québécois, donc autour du 20, 22 octobre. Et il y avait donc un esprit, évidemment, revendicateur, très fort. André Michel et moi, et quelques autres, on avait décidé là, qu'il fallait que la société se renouvelle. Et on a organisé donc une rencontre avec tous les intervenants dans une salle au motel universel. Et l'ambiance était tendue. Et puis ça a pris beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges avant d'en arriver à une entente et un consensus. Ça a été jusqu'au moment où j'ai dit, écoutez, on crée une autre société des musées québécois, on va l'incorporer, ou alors vous transformez la vôtre. Là, il y a eu un temps mort, ils se sont parlé. Monsieur Matt et Bruce Bolton, parce que c'est les deux qui représentaient la Société des musées québécois qui existait. Et puis là, ils ont dit, ben oui, nous sommes intéressés à ce qu'au lieu de créer une autre société, à fusionner et peut-être même à repenser les règlements généraux. C'était pas une confrontation, pas du tout une confrontation. C'était une réalisation que il y avait des nouveaux besoins, des jeunes étaient là. Et je pense qu'en même temps, il y avait quelques-unes des anciens qui disaient, oui, c'est temps de passer le flambeau à la jeune génération. Il faut mettre ça aussi dans la mouvance mouvement nationaliste aussi. Je pense qu'il faut pas faire abstraction de cette réalité qui est celle des années 70. Mais définitivement, l'ensemble de la société québécoise se définit de plus en plus différente de celle de la société générale, coast to coast, d'un océan à l'autre du Canada. Et effectivement, la mise en place d'une association qui regroupe à la fois les institutions comme les professionnels œuvrant dans les musées au Québec devenait une nécessité. C'est une prise de conscience majeure. On va entrer dans cette grande mouvance de la conservation de la mémoire d'un peuple, qui est un peuple en marche vers une nation, une indépendance, qui le RIN est là. Alors, il y a toute une reconquête par les Québécois de leur culture. La SMQ a vraiment pris naissance avec sa forme moderne vers la fin des années 70. Alors qu'il y a une espèce de déblocage de la muséologie, pas seulement au Québec, mais à travers tout le Canada, pour toutes sortes de raisons. Là, on a tout à coup pris conscience des musées et ça part dans toutes les directions, si on veut. On va à la fois définir la profession ou définir les professions qui sont à l'intérieur de la muséologie, parce que ça, c'est un immense parapluie. Et en même temps, on va définir les fonctions respectives de chacun. Les contre-coups d'Expo 67, et principalement au niveau de la muséographie, c'est-à-dire de l'organisation des expositions, de la mise en place, de la façon de faire, il y a une expérience très riche qui a été prise par plusieurs concepteurs et designers d'expositions pendant Expo 67. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés par la suite au sein d'un organisme fédéral qui s'appelle Parc Canada. Tranquillement, avec les années, on va reconnaître ce que Parc Canada fait. Ça ne s'est pas fait automatiquement. Quand on est arrivé, Parc Canada, lui, va se situer à cause d'une vision du Québec à Parc Canada, surtout. Mais c'est un courant international, c'est un courant canadien de préserver la mémoire du peuple canadien, mais du peuple québécois. Parce que le fait que le Québec le fasse force le Canada à le faire. C'est certain que la SMQ a permis de faire évoluer le métier de muséologue et des gens qui travaillent dans les musées et de faire évoluer aussi les conditions dans lesquelles on expose les objets. Alors là, la permanence s'est manifestée avec, on a réussi à obtenir un budget pour une personne et on a engagé Nicole Lemay en cette même année 79
regretté Nicole Lemay, qui malheureusement est aujourd'hui décédée, mais qui a assumé la présidence, la permanence de la Société du musée québécois pendant plusieurs années et qui a tout mis sur pied. Alors moi, comme président, je l'ai bien connu parce qu'on fonctionnait très très près l'un avec l'autre. J'ai jamais connu une personne avec autant d'efficacité. Et je me demandais comment elle arrivait à faire. Les journées avaient 24 heures, mais elle arrivait. Elle a réussi à des tours de force absolument incroyables. Aller chercher des subventions pour la société, réunir tout le monde, organiser les congrès, les publications, les séminaires de formation. Elle a tout fait.